Sur la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Déclarez-vous peut-être matin. Hein. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. On nous dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. On dit encore les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et alléluia! 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 Dis béni soit l'Éternel! 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 Et alléluia! 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 Merci Seigneur! Et bien applaudis le Saint-Esprit de Dieu matin qui nous salue là matin. Alléluia! Il est là à côté de toi, réunis dans le nom de Jésus. Lui là. Amen, amen, amen. Toute gloire pour mon Dieu matin. Nous allons faire lecture dans Psaume 29, la gloire de Dieu. Et tout de suite, on va chanter, nous allons adorer le numéro 197 français, chant d'espérance. Gloire à Jésus. Nous allons lire ensemble le Psaume 29. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si vous joignez, nous allons dire amen. Si vous l'avez dit, amen. Amen. Gloire à Dieu. Appelez ensemble. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec un tremblement sacré. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cerfs. L'Éternel brise les cerfs du Liban. Il fait bondir comme des fous. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buves. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Bravo Jésus, ma terre. Qui rend nous heureux, ma terre. Amen. Qui vont force ma terre. Bat bravo pour Jésus, là. Amen. Bon Dieu. Alléluia. Qui vont force ma terre. Qui vont vigueur. Qui vont énergie. Qui vont santé. Bat bravo pour lui. Alléluia. Applaudis le roi des rois. Applaudis le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ma terre. Seigneur, nous adorons. Seigneur, nous vaut gloire. Honneur, nous mangeons même seule vérité. Parlez-en pour mon Dieu dans le ciel, là, sur terre. Sous la terre, mon Dieu, c'est vous qui avez dominé, c'est vous qui avez prégné au siècle des siècles. Et demandons, Seigneur, tout Dieu nous réfléchit, papa. Matin, mon Dieu, nous adorons un Dieu si grand. A pu penser à nous, matin, Seigneur, pour faire provision pour la vie, nous, provision pour nous, nous, Seigneur, papa. Nous disons merci, matin, Seigneur. Merci pour grâce, merci pour présence, qui là, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, papa, pour amour qui va finir. Merci pour bonté au Seigneur qui renouvelle pour nous, matin, Seigneur. Que dans nous, mon Dieu, c'est pas là, yo taille, mais Seigneur, grâce à mon Dieu qui renouvelle, Seigneur Dieu, yo là dans le temple, yo fini pour voir gloire, yo fini pour nous, merci Seigneur pour tout bien faire, yo, que nous bénis matin, Seigneur, papa, nous allons faire une clôture pour nous-mêmes matin, Seigneur, papa, et dans salle là, Seigneur, dominez, Seigneur, papa, c'est où nous avons adoré, et nous allons adorer personne d'autre encore matin, que louange, yo, gloire, adoration, yo, Seigneur, yo va arriver devant toi, nous, mon Dieu, matin, comme on peut faire le bon odeur, reçois l'adoration, Seigneur. Recevoir l'honneur, louange, la parole, au nom de Jésus qui vient du règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. 197 français, la gloire de Dieu. La 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 la
Signe de remerciement, signe d'adoration pour nous adorer en esprit et en vérité.
Côté nous prosterner devant là, Seigneur, même si nous campons sous des pieds, même si nous chita, mais c'est agenouillé dans le pied, mettre dans le pied papa nous, pour nous adorer, pour nous exalter, non, pour nous glorifier, non. Même Jean Septé David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Maintenant, nous glorifions, non, Seigneur, nous magnifions, non. Nous rendons action de grâce, nous rendons l'honneur, louange et gloire à nous-mêmes seulement parce que c'est mon Dieu, parce que c'est créateur, Seigneur. Si ce n'est pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas place. Si ce n'est pas nous-mêmes, Seigneur, plan ennemi en fait, nous ne pouvons pas exister encore, Seigneur. Parce que l'ennemi entend les amen, les bien, les quatre côtés, Seigneur, pour t'atteindre, nous, Seigneur. Il entend les terreurs de la nuit, il entend les flèches qui volent les jours, il entend la peste qui m'a dans les ténèbres, il entend la contagion. C'est la vérité que, Seigneur, nous ne pouvons pas exister pour nous avancer, pour nous sauver tête, nous devant l'ennemi. L'ennemi est tellement féroce, l'ennemi est tellement poussé, l'ennemi est tellement, alléluia, tellement pas impression. Sous pas de camper pour nous, Seigneur, ça nous a fait. Sous pas de camper pour l'église, sous pas de camper pour Pasteur Jean, ça nous a fait. Sous pas de camper pour Madame Nice, ça nous a fait. Sous pas de camper, alléluia, sous pas de camper pour Pasteur Fénel, ça nous a fait. Ça nous a fait matin, ça nous a fait terre. L'ennemi, c'est pas Pierre, j'ai le bâton. C'est pas Pierre, l'ennemi a bâton, mais c'est parce que la main puissante pour qu'elle veut nous. La main puissante pour qu'elle veut nous. Et quand la main puissante pour nous. Seigneur, nous tout merci, nous tout merci. Nous sentons voix de passer pour ta glorifier, non. Nous sentons nous voix de participer pour ta glorifier, non. Pour ta exalter, non. Pour ta dire comme mon grand, comme mon merveilleux. Dans la vie, nous même j'en sais ça chanter. Ta merveille, ton être est merveilleuse. Et confondu, j'adore ta grandeur. L'aime garder nous, elle dormit, nous lever, Seigneur. Vous méritez l'adoration, vous méritez le remerciement. Vous méritez, Seigneur, vous méritez. C'est pas fort, mais la fin, Seigneur. Seigneur, tu te recevras l'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse. L'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse. La force, Seigneur, le nom. C'est pas fort, mais la fin, Mathéon. C'est pas fort, mais la fin, Mathéon. C'est pas fort, mais la fin, mais on mérite gloire. Vous méritez l'honneur, vous méritez l'adoration. Vous méritez le remerciement. Vous méritez, Seigneur, le nom. Nous exaltons Mathéon. Nous glorifions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque Seigneur, parole nous dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forme qui reste. En mettant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, l'Église réunie, l'Église formée, à tes émanes, vous êtes là, nous renverser tout raisonnement satanique, nous renverser tout raisonnement démoniaque, nous éteindre toute bataille satanique humaine, quel que soit côté au niveau, quel que soit plan et mis en faire votre ministère là, nous brisez au matin, quel que soit cérémonie qu'a fait votre ministère là, par autorité, par droit légal que Jésus nous donne. Au nom de Jésus.
nous bloquons une mauvaise nouvelle satanique à préparer dans le monde invisible. Nous bloquons et nous déclarons service ça. Nous bloquons, alléluia, service ça, alléluia. Et que la gloire, amen, que la gloire de Dieu, au nom de Jésus, couvre l'espace là. Nous chirons tout vêtement de honte. Amen, sous chaque cellule, c'est mon Dieu qui est là. Tout vêtement de honte, tout vêtement de honte, nous chirons. Et nous habillons dans le nom de Jésus-Christ. Nous habillons avec vêtements de gloire, avec vêtements de louange, vêtements de gloire, au nom de Jésus. Et nous déclarons. Pas de rêve pour nous, pas de mauvaise nouvelle pour nous. Déclarer matinée ça. Amen. Matinée ça, déjà matinée aspirée dans Jésus. Matinée ça, déjà matinée bénie. Et déclarer dans le nom de Jésus que pas de démons qui t'a levé joie. Pas de démons qui t'a enlevé joie. Pas de démons qui t'a enlevé la paix. Puisque nous cachons de Jésus. Et nous déclarer la foi qui est cachée en de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous remercions pour grâce et amour. Nous remercions pour fidélité au Père. Nous m'en avons percé. On va continuer pour contrôler le service là. Serviteur qui est pour pas faire. Je vais utiliser comme si on voit au bébé. On est au cas qui se remarque ta bien. Et lâcher les sangs. On va dire la même voix. On va dire la même semaine. On est au cas qui se déstrisse. On va amener à l'église. On va étendre dans la vie. Et que nous-mêmes qui chita là, qui fait les déplacements. Nous qui dans fait la malade. Nous qui dans fait la paralysée. Nous qui dans fait la avec nos problèmes. On va sauter avec nos solutions. Non, non, Seigneur. Non, non, Seigneur. On va sauter avec nos solutions. Père de gloire, nous vivons là avec des choses. Pas quitter nous sauter avec lui. Même en d'autant que Seigneur permet que nous jeunes pichons. Pour nous aider à danser la prière qui n'a pas de saveur. Pas selon nous qui vont vivre, nous mériter. Mais c'est dans Jésus qui a vu et qui a prié au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Pas de gloire pour Jésus. Alléluia. Le miracle opéré la matin. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Bon Dieu bénis nous. Nous voyons une lecture nous matin. Hein? C'est dans Esaïe chapitre 25. Pendant nous mettons, les gens qui proposent debout, nous demandons de mettre debout pour nous capables de lire ensemble. Esaïe chapitre 25. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Quand tu as réduit la ville en un morceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu dompes la chaleur, dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des mabars. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Éternel des armées, prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître toute la terre, l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel qui nous avons confiance. Soyons dans la détresse et réjouissons-nous de son salut.
Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil. Il déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs et les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Que l'Éternel bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. 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 Et bien, bravo aux paroles de Dieu, c'est tendu à ma terre. Les paroles de Dieu, c'est lui. Amen. C'est le bas de la loi. Amen. Avec vous, d'accord, ça se dit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bon, tu campes, nous allons louer le Seigneur dans le numéro 100, hein, dans le numéro 39, mélodie joyeuse. Le monde, ce n'est pas la caille, ouais. C'est dans le ciel là pour aller. Trésor avec ferme en haut, il est tout fixé. Amen. J'en ai besoin de Gabriel, je ne peux pas sentir trop à l'aise ici-bas. Amen. Bon travail, je ne peux pas sentir trop à l'aise ici-bas. Canel Bank, je ne peux pas faire sentir trop à l'aise ici-bas. Amen. La carte, nous allons aller dans le ciel, la gloire à Dieu. Une mélodie joyeuse. Alléluia. Le monde, c'est pas la carte, dans le ciel, la gloire. Mais moi
Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Crions Alléluia. 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 Bravo pour l'Éternel des armées. Pour la voici la bravo pour lui. Élevez vos lèvres, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire passe sur la purée. Qui dort bien ce roi de gloire, l'Éternel des armées. Voilà, 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 voilà le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Amen. Merci mon Dieu pour ce service béni. Oui, nous disons mon Dieu, merci en pile. Non, exalter le nom de notre Dieu Tout-Puissant et nous saluer chaque monde qui fait déplacement et vraiment qui sortit de très loin, sortit de Long Island, Queens, Brooklyn, nous là. On dit bon Dieu, merci en pile, que bon Dieu fortifie. Et nous prenons un petit temps pour nous saluer. Antenne Judson, on va être capable de camper, on est capable de voir. Bon Dieu, bénissons, saluons le Dieu vivant. Gloire à Dieu. Notre ami, qui est-ce qui est invité au bois ici? Antoine Judson. Antoine. Merci pour Antoine Hudson et bon Dieu qui va bénir. Nous songeons ce Majoury qui était passé là vraiment pendant que tu as fait breakfast devant. Et il était pour maintenant n'attendre ni même tout, il est pour venir avec nous. On va saluer le bonhomme et bon Dieu qui va bénir pour Antoine. Merci. Et dis bon Dieu merci. Ma fille Gina qui est là avec nous, bon Dieu qui va bénir. N'attendre comme ce qu'il que bon Dieu touche lui et Lucina pareillement et tout le monde qui est là, que bon Dieu bénisse. Nous, qu'on est dans ce maintenant, nous avons mardi soir étude biblique. Mardi soir étude biblique à 7h pour 9h, après nous. Le mardi soir, nous là à 7h et jusqu'à 9h dans l'étude biblique. Qu'on est mardi dernier, nous avons une étude extraordinaire. Je t'ai souhaité que un bel nom pour une décision pour nous participer à l'étude biblique. Vendredi, nous avons une heure de nuit, 9h ou minuit, chaque dernier. Et chaque vendredi qui en vend dans cette scène, nous toujours fait heure de nuit. Vendredi, 9h ou minuit, nous avons une heure de nuit, 9h ou minuit. Et samedi, nous avons une heure comme d'habitude, 10h ou midi. Et puis dimanche, nous commençons depuis à 10h du matin là. T'es comme nous qui t'a passé là hier. Madame à quelle heure nous commençons le service dimanche? Il dit 10h du matin. Pour nous capables de participer dans l'école du dimanche. Donc 11h service d'adoration. Et toujours inviter les frères et les sœurs à participer avec nous. Ce Béatrice Gesté Célius, c'est que nous pas pour le matin. Hein. Toujours pensez à nous. On va prier pour Sœur Béatrice Gesté Célius. Et mon Dieu est capable de bénir. Pour délier la caille.
Et on va continuer, bien sûr. On est capable de faire des messages. Là. Je ne veux dire, mais avant quoi, on va faire. Et on va dire pour ici au radio, on va faire au train. Mais avant tout, on est capable de dire que ce immonde propre, dit que le papa a pris par Kala. Je veux dire aussi bien, excusez l'absence, juste la boisson, pour prier que ce soit moins de compte. Deuxième samedi, bon mouvement qui l'ouvre là, mouvement famille, combat extraordinaire, côté que nous avons quitté temple samedi pour dans le cas de bien-aimé, qui a besoin qu'on coude dans la prière. Deuxième samedi qui va à 9, et marqué date là pour qu'on puisse prendre tout un arrangement nécessaire. Deuxième samedi, c'est quand pasteur Joseph Jean, que l'habillé, le 9 septembre. Donc, tout le monde qui voulait participer dans le mouvement famille ici là, ou invité pour capable d'aller avec pasteur Joseph Jean. Et même mouvement, leur aller, toujours. Même mouvement qu'a fait depuis dernièrement, le monde qui a dormi pour demain matin. C'est bien. Et nous avons fait au Tatsato pour parler le 30, samedi 4-30, nous avons notre jeune de famille qui a fait. Nous allons aller à Kaidara, comme sur le compte Dara. Et ce matin, c'est juste dans l'heure. Nous allons aller depuis à 10h. Ce matin, c'est juste dans un petit campé. Ok, c'est quand il se marie cassé le stampier, le 30 septembre, parce qu'il a fait d'arra 30 ans. Il n'a pas de cette occasion pour le papa et une jeune de famille. Et là, quand il se marie cassé pour d'arra, que bon Dieu, qu'on va toucher la famille déjà. Et donc, on songeait que le 9, d'après le pasteur Joseph Jean, c'est quelqu'un qui va prendre le pasteur Joseph Jean là. Le pasteur Joseph Jean, on ne sait pas que plus haut. L'obéissance, je suis venu apporter. Jésus, toi.
Dieu, Père, papa, nous financiers, nous avons grandi dans la misère, quoi, nous avons monté, nous approché avec offrande galore, dîme devant, bon Dieu le puissant, nous nous merci d'être le mettre des désirs dans que chaque monde, bon Dieu le puissant, pour être capable de déposer, bah, offrande, faire ça, être capable, bon Dieu le puissant, Seigneur, moi, mon dos, ça n'a pas gagné, bon Dieu le puissant, qui n'a pas gagné. Seigneur, va venir au grand Dieu, le puissant Seigneur, l'autre dimanche, si Dieu veut, d'abord départir par eux. Seigneur, nous pas prions que nous mourons et nous vivons, mais nous prions de ton fils Jésus-Christ qui vient d'appeler au ciel et des cieux. Amen. Non, réellement, déplorer ce qui est passé hier en Haïti, en tant que Haïtien, ça fait de tout mal. Par le monde qui mourit hier, Canara. Bandio, vraiment sans pitié. C'est un innocence du peuple. C'est un exercer pitié parce que, ouais, innocemment, pour le monde qui met Dieu de lui, il rentre Canara. Parce que, bah, un petit coup de fait, il dit au peuple, pas de travail. Et au tout peuple là, avec vraiment, vraiment, Panamé, Gwen Panamé, Gwen Pantief. Et il y a un avion 7 pléo, mettez dans le temps, il va pas monter, il va pas descendre. Kidnapper en pile, tuer en pile. Jésus! Le bon Dieu dit au monde pour payer la liste, définitivement, j'ai besoin. Donc attendez tout. Histoire, ça me fait mal, vraiment, ça me fait mal. Et au quoi, ma soeur a dit au papa, au quoi, au papa. Et au côté. Il t'a invité la police, l'armée, mais ça, il n'a pas répondu. Il y a un peuple à l'Ukraine. Le bon Dieu est capable de bénir le pays d'Haïti. Je ne sais pas bonjour, quatre jours par pays d'Haïti. Mettre le temps. Nous comptons voir cette Simone qui te fait une torche et qui a parti tellement bien. Et bon Dieu, capable de toucher bien à cette Simone qui était en foulure, la plupart de cheville. Que mon Dieu touche au Saint-Simon et bénir. Salut de tout cœur. À chaque service, toujours une opportunité pour nous tenter la voix de Dieu. Et nous remercions encore Frère Claude Aurélien qui t'a visité le dimanche dernier. J'ai invité l'église dans un concert. On va jouer avec Socket Lee, ce qui est en train de concert, ça c'est le 28 octobre. Concert fête. Le boulot. Eh bien, n'a pas des peurs, bon Dieu, pour camper. Entendez qui ça, bon Dieu, a-t-il en cause de vous. Je veux dire. Alors, applaudir les serviteurs du Dieu vivant, le pasteur Joseph Jean, c'est l'esprit qu'il a lui-même. On va parler avec le peuple de Dieu. Amen. Je t'appelle Jésus, mais le pas ouais.
l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, bénis l'Église. Mon Dieu, bénis l'Église. Père sauvé, mon Dieu, bénis. Ouais, Jésus, nous dit, mon Dieu, merci d'espérer encore les bonnes possibilités pour nous capables de nous templer, de nous adorer, de nous balivoir, de nous louanges que les mêmes seuls mérités. Et nous disons merci à tout le monde qui a prié pour nous. Et nous devons continuer à nous dans la prière et nous-mêmes tous, nous devons nous dans la prière. Parce que la prière, c'est lui-même qui aime nous. Pas que les gens mettent devant. Mais pour nous-mêmes, quand les âmes, c'est la prière. Bon Dieu, bénis. Quand les gens nous gagnent la vie, c'est bon Dieu le relais. Et nous, dans Exode 14, verset 14. Gardez silence et lui-même la combattre pour vous. La combattre pour vous. Quand je vais dans l'église. Amen. Et pendant vous campez, pendant vous vivez ensemble avec nous. Dans Genèse chapitre 2, on a lu le verset 8 et 9. Après, on a descendu, on a lu le verset 15 à 17, à la gloire de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 8 et 9. 15 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon Dieu, bénis l'Église, au Kabachita. Céleste Père, Jésus-Christ, encore une fois, nous disons merci. Oh, merci, d'être Papa, au banon encore possibilité pour nous tendre au Kabachita. À chaque fois, on a une possibilité ça, et bien on a une possibilité également pour nous changer. On a une possibilité pour nous prendre une nouvelle décision, pour nous obéir à la parole, marcher selon la parole et vivre selon la parole. Et maintenant, on a demandé au nom du sang versé de Jésus. On va traverser les cœurs les plus durs. Et on va changer tout cœur de pierre en cœur de chair. Et parole, on va faire chemin. Afin que papa, nous va sortir là, yes, une nouvelle personne. Même Jean vous déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, vous dites si quelqu'un est en Christ, oh, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Fais-nous sortir là, un nouveau, au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu, bénis l'Église. Bon Dieu, bénis l'Église. Gloire à Jésus. À travers la lecture, nous sommes faits pour dans Genèse chapitre 2, verset 8 et 9, et verset 15 à 17. Eh bien, si tu as un sujet, nous avons réfléchi sur le matin. Nous avons dit, oh, voici la vie, voici la mort. Eh bien, c'est vous-même qui vous choisissez. Bon Dieu, bénis l'Église. Et maintenant, nous avons dit qu'il y a un choix pour faire. Bon Dieu, bénis. Maintenant, nous avons dit l'Église. Nous avons dit l'Église. Eh bien, vous avez un choix pour. Vous avez un choix pour faire. C'est soit vous choisissez la vie, ou bien vous choisissez la mort. Parce que pas de lutte. Pas de rien à sortir de là. Bon Dieu, bénis. Et nous réaliser depuis l'existence de l'homme, depuis au début, comme vous connaissez Genèse, le livre de la création, et c'est à travers l'île Genèse que bon Dieu a expliqué comment il a créé l'humanité, comment il a créé toute bagaille
que l'homme te besoin, lui mette au disponible pour nous, et après quoi, lui créer l'homme. Bon Dieu, venez. La Bible dit, bon Dieu, qu'on ait besoin, lui connaît ça, on a besoin, et lui déjà créé, et mettez là pour vous, parce que vous avez besoin. Et avant de le créer, lui déjà mettez disponible pour vous, eh bien, pour tout ça que vous avez besoin. Nous, la Bible dit non, et que bon Dieu, dans Genèse chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon Dieu bénit l'Église. Bon Dieu non seulement créé toute bagaille, il créé toute plante, tout pied bois, et tout pied bois a porté des fruits, tout pied bois qui a pour la nourriture des hommes, et bien bon Dieu mettait dans le jardin, et la Bible dit tout, bon Dieu mettait dans le jardin l'arbre de la vie. Bon Dieu bénit. Lui mettait dans le jardin qui ça, l'arbre de la vie, et lui mettait également l'arbre de la mort éternelle. Bon Dieu bénit. Et c'est un phénomène, depuis au début, depuis la création, eh bien, l'homme toujours gagne un choix pour faire. Ou gagne pour faire un choix, comment on veut vivre, comment on veut fonctionner. Par un monde responsable, si jamais on fait choix, et puis choix, à fort passer misère. Par un monde responsable, si jamais on fait choix, et puis choix là, faire crier tout le temps. Non, on a besoin pour assumer responsabilité parce que on gagne un choix pour faire. Nous, eh bien, mon Dieu t'a créé Adam et Ève, l'y mettez dans le jardin d'Éden, et puis l'y fait toutes sortes de plantes poussées, et bien on a dit pied mango, pied lame, et avocat, tout ça que l'homme besoin, toutes sortes de légumes, toutes sortes de fruits, tout ça l'homme a besoin, il est déjà disponible pour l'homme. Depuis ces bagailles que l'homme a mangé, l'homme doit manger, eh bien, mon Dieu fait le pousser dans le jardin. Mais la Bible dit tout, mon Dieu mettait un arbre qui est l'arbre de la connaissance. Et l'arbre, il mettait l'arbre de la vie. Et non seulement, il mettait l'arbre de la vie dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais mon Dieu prend le soin, lui prend le soin, la dépôt de l'homme, lui dit l'homme, regardez, nous capables de manger tout ça qui est dans le jardin, ou capables de manger tout pied fruit qui est dans le jardin, ou capables de toucher tout son blé dans le jardin, mais excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour que vous mangez, eh bien, ou à qui ça? Ou à mourir. Bon Dieu bénit l'Église. Le jour que vous mangez, eh bien, ou à mourir. La Bible dit, eh bien, en Genesis chapter 8, Genesis chapter 2, verse 8, 9, 15 to 17, God created everything. And He created a garden, and that garden, He put Adam and Eve. And that garden, all type of fruit, all type of trees you need, of plant you need, they're all available for Adam and Eve to eat. And that garden too, God said there is the tree of life and there is the tree of knowledge, good and evil. God bless you.
God bless you. Listen. God knows He created you and He gives you your own will. Bon Dieu créé vous et bien il va au point volant, point volonté. Et il mettait tout bagaille disponible. Mais seul bagaille, il dit mais qui sont doués faire, mais qui sont pas doués faire. Bon Dieu bénit l'église. Avec volonté ça a été créé là. Il va prendre la main. God created you with your own will and it's not going to take it away from you. It's you to decide what you're going to do. But God makes sure He gives you good advice. And dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, eh bien, mon Dieu t'a parlé avec le peuple Israël. Eh bien, il dit, eh bien, voici le bien, voici le mal. Pratiquez le bien. Pratiquez le bien. Si vous pratiquez le bien, eh bien, mais tout bon bagaille qui va arriver, où va y au monde qui bénit? Où va bénir? Où va bénir dans la ville là? Où va bénir sous montagne? Et où va toujours la tête et non la queue? Bon Dieu bénit l'église. Petit, où va bénir? Marie, où va bénir? Madame, où va bénir? Pour nous prier au nom de Jésus, nous va guérir parce que on va suivre la parole de Dieu. Bon Dieu bénit l'église. L'Esprit de Dieu va demeurer dans la vie et tout son monde dans le nom de Jésus. La Bible dit c'est ça qu'on va recevoir. Amen. Mais on a besoin pour obéir la parole de Dieu. On a besoin pour suivre la parole de Dieu. Et Adam et Ève, eh bien, ils ont pour un conseil, mon Dieu, ils ont tant de conseils là, mais ils n'ont pas de mettre dans l'application. C'est ça que nous disons au matin, nous chaque qui là, nous venons pour nous faire un choix. Comment on a servi mon Dieu? Mon Dieu béni. Parce que il y a un peu de monde qui a accepté Jésus déjà. Il y a un peu de monde qui vive bien loin avec Jésus déjà. Mais dans mes chemins, à une distance quelconque, ils ont abandonné. Parce que le choix que tu fais, tu as fait le bon temps. Le choix que tu fais, tu n'as pas fait le choix définitif. Je te fais choix, c'est vrai. Je te choisis Jésus, c'est vrai. Mais il y a des situations qui vivent. Je fais choix dans mes temps de difficulté. Frère, ce matin, moi-même, avec vous, c'est nous-mêmes qui pouvons choisir comment nous servir mon Dieu. Parce que, pasteur, capable de dire comment vous servir mon Dieu. Mais votre monde capable de dire comment vous servir mon Dieu. Mais ils ont même, j'en ai servi mon Dieu, sous servi mon Dieu, j'en ai servi mon Dieu, qui t'aime dire, c'est là les messieurs à terre. Ça veut dire, si c'est eux-mêmes à suivre, eh bien, on doit faire, ou te font choix, c'est vrai, mais modèle ou gagné, il n'y a pas bon pour vous, bon Dieu, dans l'église. C'est ça fait nous dire, ou même personnellement, ou besoin à travers la parole que vous attendez, à travers la parole que vous écoutez, sa parole là dit pour faire, comment bon Dieu m'a donné pour marcher, et bien pour faire choix, pour servir bon Dieu. Parce que il y a un peu de monde qui te fait choix ça. Mais dans mes chemins, ils ont abandonné. Il y a un peu de monde qui te fait choix pour servir bon Dieu. Et dans tant de difficultés, ils ont vécu un autre comportement. Bon Dieu bénit l'église. Et nous sommes capables de réaliser. Adam et Ève, ils ont servi mon Dieu. Ils ont vécu dans le jardin. La Bible dit, eh bien, pour un nombre de temps, ils ont obéi mon Dieu. Et puisque ils ont obéi mon Dieu, bon Dieu était toujours pour descendre, venir parler avec eux. Bon Dieu bénit l'église. Ça veut dire qu'ils ont une bonne relation. Adam et Ève ont une bonne relation avec mon Dieu parce que pour un nombre de temps, ils ont obéi bon, obéi mon Dieu. Mais là, il dit bon moment qui arrivait, bon moment qui arrivait, eh bien, Ève commençait eh bien, à flâner, à chercher des amis. Eh bien, pour nous chercher des amis, nous avons parlé avec des amis. La Bible dit nous rencontrer avec les plus rusés.
de la création, bon Dieu bénit l'église, de toute créature qui t'a existé, eh bien, la Bible dit serpent était le plus rusé. Et il t'a posé une question pour dire Ève, mais est-ce que c'est vrai? Bon Dieu dit, pour ne pas manger après la vie, le jour que vous mangez, vous allez mourir. Elle dit, oui, lui dit que je vais manger. Le jour que je mange, je vais mourir. Et l'ennemi en répond. Serpent en répond. Ah, ma chère. Si vous mangez, il va tuer au vrai, non? Dieu va ouvrir. Ou à des connaissances du bien et du mal. Et c'est donc que Ève, Chita lui tendait, la Chita parlait avec Zami Sarah, et bien Zami en bas lui conseil, comme si Zami en remet plus que bon Dieu. Zami en dit là, ou pas mourir, pas occuper. Dieu va mourir. Eh bien, la Bible dit Ève pour un conseil là, ça le fait lui approcher sous arbre de la sous arbre de la mort éternelle là, et puis lui manger. Et pour qui ça va approcher des préférences sous arbre de la vie? Lui n'a rien en tout. Bon Dieu va cacher arbre de vie pour l'homme. Et si Ève te manger arbre de vie, hein, eh bien, nous-mêmes actuellement, nous allons vivre éternellement sans péché. Bon Dieu, dans l'église. Il y a plus de monde qui toujours va m'accuser, bon Dieu. Il va toujours parler. Ah, et parce que bon Dieu t'a voulu. Et parce que bon Dieu t'a voulu. Pour qui ça, bon Dieu, t'a mis dans le jardin? Pour qui ça, t'a mis? Mais il crée, il y a une bonne volonté. Et puis il crée âme de vie. Vie éternelle, lui mettez dans le jardin, et le créer à de la connaissance du bien et du mal, et puis lui mettez dans le jardin, et puis lui vient côté, lui dit où est ça? Pas manger, pas toucher, pas manger, bon Dieu vient dans l'église. Parce que le jour où manger, ou à mourir. Frère, soeur, même genre de nos jours, bon Dieu fin créer nous. Eh bien, lui dit nous, dans Deutéronome chapitre 28, lui dit nous, voici le bien, voici le mal. Lui dit ou, puis go pratiquer le mal. Puis ga ou pratiquer le mal. Mais lui encourage ou pour pratiquer le bien. Parce que si vous pratiquez le mal, mais qui ça va arriver? Et si vous pratiquez le bien, mais qui ça va arriver? Bon Dieu bénit l'église. Amen. Et c'est ça que fait nous dire encore. Vis-moi, vis par où? Pendant tout passage, nous, sur le globe terrestre là, nous avons toujours gagné pour nous faire un choix dans la vie. Nous. Bon Dieu bénit l'église. En plus, nous là, nous faisons choix pour nous servir bon? Nous faisons choix pour nous servir bon Dieu. Et vous n'êtes pas capable de venir là, encore pour m'apprécier le message là, pour m'avoir besoin pour faire le choix. Parce que d'après vous-même, vous avez déjà fait le choix pour servir bon, pour servir mon Dieu. Vous n'êtes pas supposé à dire matin pour faire un choix encore. Parce que vous connaissez. Si vous êtes capable là, vous choisissez bon, vous choisissez mon Dieu. Mais lorsque vous promenez les yeux spirituels, lorsque nous avons gardé la vie de l'église de nos jours, lorsque nous avons gardé la vie de monde qui était aux chrétiens, malgré si on est dans l'église, nous y est, mais nous réalisons qu'il y a des gens qui servent mon Dieu tout bon et qu'il y a des gens qui plaisantent dans l'évangile. Bon Dieu, bénis l'église. C'est ça que fait nous matin, même là on est dans l'église, vous avez besoin pour choisir, pour servir mon Dieu fidèlement. Et 22 jours, vous avez accepté Jésus as your Lord and Savior. And this morning, we encourage you to make a choice to serve Him, with your whole heart, with your life, with everything you got.
Because there is a lot of people, they say they accept Jesus. They are in churches. They got all type of position in the church. But their life, the way of their lives, according to the Bible, you can tell they're not living a godly life. God bless you, church. Yo pas mené yo vie pour bon Dieu. Parce que gen en pile moun yo l'église, et bien ou l'église là c'est vrai, mais ou là pour intérêt. Ou là pour faire ça qui fait la chair au plaisir. Ou chrétien tout autant, yo pou kopile yo. Ou chrétien tout autant ou moun pa parler l'aide d'avèl. Ou chrétien tout temps intérêt ou pas menacé. Mais le jour que l'intérêt est menacé, pour montrer vraie couleur, on est venu dans l'église. Amen. Et c'est ça que fait matin, nous les faut comprendre. Eh bien, vous avez besoin pour choisir, pour servir mon Dieu, avec tout cœur, avec toute vie. Parce que mon Dieu a venu chercher mon vraiment qui mettait à part. On est venu. Et nous avons un choix pour faire, même dans la famille, ou accepter. Ou prend une femme ou marié, ou prend un mari ou marié, ou bien des enfants qui ont élevé, eh bien, dans la famille, ça a besoin pour faire un choix, pour comment ou conduire la famille, bon Dieu, dans l'église. Ou besoin pour faire un choix, pour connaître, pour être toujours clair, pour toujours avoir la Bible comme modèle. Ou toujours de la Bible, eh bien, comme réellement constitution la vie, pour suivre, pour marcher, pour obéir, et c'est la vie pour pratiquer dans le temps familial. Et puisque c'est ça qu'on fait, il y a un pile mariage qui a crasé, mais le mariage voilà, a prêté sur le roi. Bon, j'ai dans l'église. Il y a plus de monde qui a tombé dans l'adultère, mais le mariage pour là, ou avoir été fidèle, parce que vous avez la crainte de Dieu, la crainte de la parole, vous faites choix pour servir mon Dieu. Et puisqu'on fait choix pour servir mon Dieu, malheur ou pas là, c'est vrai, nous on va prendre la prostitution. Malheur ou pas là, c'est vrai, on va prendre l'adultère, parce que vous connaissez, on va servir mon Dieu pour madame, on va servir mon Dieu pour mari, mais on va servir mon Dieu pour sauver l'amour. On va servir mon Dieu pour aller dans le ciel. On va servir mon Dieu pour épargner l'enfer. Parce qu'on connaît où mon âme a sauvé. Où mon âme a sauvé. Où mon enfer a évité. Bon Dieu bénisse l'église. Brothers and sisters, you don't accept Jesus for your wife or for your husband. But you accept Jesus to get saved. To be in heaven when your days is over. This morning, we want you to know, even though your wife or your husband is not a lion, you have to continue to follow the word of God. Because God said, you have one woman and one man. That's it. And you made your choice. And it's your choice. Whatever happened, n'importe ça qui vient arriver, madame, n'importe ça qui vient arriver, Maria, n'importe Jean Vignan, eh bien, puisque il est encore vivant, on va continuer à faire route là avec. Bon Dieu bénisse l'église. On va pas disposer à changer. On va pas disposer pour nia. On va prendre ma robe et ma chouelle. Ma robe et j'en ai changé. Si qu'il a changé, ma robe et ni. On vit dans l'autre qui vit belle. Ou bien on a qui plus sexy. Non, j'en t'ai hier. J'en t'ai pour l'an. S'il a changé, c'est non, on l'a changé. Et who knows si ce n'est pas une cause changement. Qu'est-ce qu'il connaît, ce n'est pas vous-même qui déforme. Et parce qu'elle a déformé, parce qu'elle a changé, on commence à trouver l'aide. On commence à trouver un autre type de belle passé. Et sortant des gars, on commence à parler de ma chavelle. On va sortir pour quoi tout? On va l'activité pour quoi tout? Parce qu'on a une intention. Let me tell you, you married for life. Whatever happened to your wife or to your husband,
is still yours. God bless you, church. It's still yours. Yes, you said you don't understand her face anymore. Her nose, everything changes. And you dislike everything about her now. And you take that as a pretext, as an alibi to go around and do your thing. But let me tell you, God is all over. Wherever you go, he's watching you. And he's taking notes. He even has the video of everything you've done or have done. Frère, sœur, pas dans rien ou fait qui caché devant mon Dieu. Adam et Ève, elle a approché, lui manger, lui fin manger. La Bible dit ça, mon Dieu, te dit arrivé. Dieu l'ouvrit et puis il vient une connaissance du bien et du sortant de ailleurs, il y a tout donné. Avant ça, il y a jamais ça. Au bon petit bébé, lorsqu'elle fait fête, qui problème ni pour tout donner sur le monde? La couille montée, la couille descend. Tout le monde n'est pas pris d'ailleurs, ni par terre. Parce que il n'y a pas de connaissance du bien et du mal. Mais le jour qu'elle commence grand, elle commence à avoir connaissance du bien et du mal, la Bible dit je l'ouvre. Sortant de yal, pas de yon, même yon. Non. Yon bagay, yon va venir quitter nous, ouais. On dit bien nous l'église. Mais malgré la dernière vallée, yon prend pas, yon couvri. Yon prend pas, yon fait ceinture, yon fait tout bagay pour yon cacher. Mais bon Dieu, t'es déjà, ouais. On dit bien nous l'église. C'est pour ça que nous n'importe quoi, tout yé, n'importe quoi, fait bon Dieu, lit. La poêle. Maintenant dimanche matin, où c'est le premier monde qui a manifesté. Dans dimanche matin, où c'est le premier monde qui remplit. Dans dimanche matin, où c'est le premier monde qui prêt pour venir adorer. Mais pendant que vous connaissez, où tu fais choix, c'est vrai, mais j'en vais vivre là. J'en vais mener la vie ou là. Bon Dieu, pas d'accord. Bon Dieu, pas d'accord. Au besoin, pour retourner sur décision. Au besoin. Pour changer comportement. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si, lorsqu'on est dans le monde là, on te fait sauver, lorsqu'on est dans le monde là, on va le faire, ou tu es deux ménages, deux maris, deux madames, ou tu es comme une volette, ou tu es comme une fumée, ou tu es comme une grande drogue. Vous devez faire tout ce que vous voulez. Mais puisque vous venez de jouer Christ, il faut que vous changez de faire. Vous venez de dans l'église. Ou pas capable de rester même gens. Ou pas capable de rentrer l'église et vous rentrer l'église avec même addiction, avec même mauvais mœurs, avec même mauvaises habitudes. Ou besoin pour changer. Si vous avez marché selon la chair, eh bien, vous avez besoin pour changer, pour marcher selon les. Selon l'esprit, c'est ça qu'on a dit, non? Frères et sœurs, nous disons bon Dieu merci et matin au frère, non? Au capable de dire, cet esprit de Dieu a guidé le monde toujours. Bon Dieu béni, il y a des monde qui quittent guidé par l'esprit toujours. Et sous la guerre, on a même bon Dieu l'a mené au côté où il voulait. Ou pas mal côté où vous voulez. Mais là maintenant, côté livré. Et matin, tout le monde qui l'a, vous avez un nouvel choix pour faire. Si vous avez choisi Jésus déjà, nous allons nous encourager. Mais pour nous, nous avons besoin de servir fidèlement. Vous avez besoin pour marcher dans la sainteté, dans la droiture, dans la vérité et pour obéir à la parole. Bon Dieu, l'église. Parce que. Adam et Ève, pas obéi. Et puisque vous n'avez pas obéi, et vous n'avez pas choisi qui j'en des amis à faire, et bien Yalchita n'a parlé avec une ruse, avec une mesdames, qui se servent, et bien lui truque. Lui prend un truc. Lui va dire,
tout bonnement, et que ce n'est pas vrai, nous lui poser question. Est-ce que mon Dieu dit ça vrai? Mais le connaît déjà. Et pas ça la chercher, non? La chercher pour coincer mon côté. Ah, c'est ça, Dieu. C'est pas vrai, mon cher. Et comme si lui est meilleur que bon. Pas qu'on doit gagner comme ça. Ou observer mon Dieu fidèlement. Ou avez forcé. Mais comme la Bible dit, eh bien, dans Somme 34, verset 20, je crois, il dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre tout. Eh bien, malheur toujours privé. Il y a des malheurs privés, il y a des situations privées, il y a des problèmes où la donne. Eh bien, l'ennemi, il y a toujours des gens qui prétendent lire ses amis. Eh bien, il est venu pour le bon conseil. Ah, mon cher, c'est de où même d'aller mes pieds. Et puis on voit le niveau. Si nous même là, chercher, well, parce que ça n'est pas normal. Ça n'a fait n'a pas normal. Et comme je disais, lui plus remet au que bon Dieu, et puis n'a pas conseil pour le retirer dans le problème. Et tandis que plan, c'est là dans le problème. On dit de l'église. C'est ça, ça qu'on fait, oui. C'est ça et puis on fait. Là, les loin Ève, lui prend pause, lui remet Ève, et bien. La balle conseil, mon cher, ou pas mourir vrai, ou mettre manger, et puis sortant de là, elle qui pas esprit de discernement, elle qui pas obéi bon Dieu, eh bien, la l'aliment, l'imanger. C'est même Jean, moi-même, avec vous, matin, frère, seul. Nous besoin pour nous choisir qui Jean des hommes n'a fait. Bon Dieu, béni. Nous besoin pour nous choisir qui gens des amis n'a fait parce que gagne des amis ou gagne des conseils là bas où li pas mener dans la vérité. Bon Dieu bénisse l'église. Au qu'on est en pile monde l'église. Bons amis ou plus bons amis sont le monde. Plus bons amis sont le monde. Et lorsque le problème, Zami ça c'est nous le premier monde qui a conseillé ça pour le faire. Amen. Qui conseille le monde d'abord? Qui ça devient et qui est capable de dire pour faire? Excepté, venir voir le niveau de lumière, parce que lui-même l'a mené, mais vous-même, soi-disant, vous avez traîné. C'est ça le conseil. Oui, tête mariée a traîné, mais vous même y a mené, y a mené. Mais pendant que, on est venu dans l'église. Il n'est pas même temporaire, non, parce que pendant que avec Dieu qui montre où m'a traîné, moi-même, moi senti m'a mené. Parce que la présence de Dieu, c'est ça qui est richesse pour moi. La présence de Dieu, c'est ça que j'ai besoin. De même derrière, moi-même, je suis satisfait. Malgré monter 1000 dollars, malgré monter 2000 dollars, malgré monter un caille, monter une machine, mais la présence de Dieu est supérieure à tout bagaille ça. Vous avez trouvé ou traîné. Et peut-être ça, en pile famille, a pris pitié pour vous. En pile famille, rentre bouche dans la parole. En pile famille, a dit ça vous voulez. Il a parlé dans vous voulez. Mais vous-même. Monsieur ou même madame, ou besoin qu'on ait ou te font choix. Situation ou dit c'est vrai, mais c'est pas maman qui le monde doit l'expliquer. Situation ou dit c'est vrai, c'est pas papa le monde doit l'expliquer. Parce que mon papa dans le ciel là, qui doit dans n'importe quelle situation, jouer la veine dans la prière. On est bien dans l'église. Yes, your will father is in heaven. Whatever you going through. You have to go to him, not to your friends, not to anybody else, because God is a responsible God. Bon Dieu, bien dans l'église. Bon Dieu, c'est un bon Dieu responsable. Responsable. Non, n'importe soyez yeah, la vidéo. Non, n'importe soyez yeah, la méthode. Ce n'est pas des trois mouns. Pas rien été abandonné. Ce n'est pas des trois mouns. Parents ont été virés de bayo. Mais pour le moment, ils ont été famille. Bon Dieu, bénis l'église. Pas rien qu'à fait sans vous parler. Pas rien qu'à fait sans vous parler. Sans vous parler. Parce que vous avez servi au bon Dieu qui fit.
et fidèle. Frère Sam, yes, dans le jardin, tu as gagné l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et même Jean-Do, dans Deutéronome 28, eh bien, bon Dieu dit, peuple Ya, peuple Israël, si vous obéissez la parole, là, si vous marchez selon la parole, là, eh bien, mais qui ça qui va accompagner vous? Vous avez un peuple qui bénit. Il y a béni dans la cité, il y a béni dans la ville, il y a béni dans le monde, la béni des parents, la béni arrivé, il va toujours la tête et non la queue. Bon Dieu bénit l'église. Mais si vous désobéissez la parole, il dit, regardez, ou c'est au monde qui a maudit. Ou a maudit, non seulement ou a maudit, mais ou a maudit dans la ville, ou a maudit dans le monde, ou a maudit dans le départ, ou a maudit dans l'arrivée, petit tout, a maudit. Et même là, on comprend nous son affaire, mais il déclare ou c'est que. Bon Dieu, mais dans l'église. Il déclare qui ça, ou c'est que. Frère, monsieur, nous encourageons au matin pour faire choix ça. Choisir pour servir mon Dieu. Choisir pour obéir parole. Choisir pour vivre selon parole. Oui, on choisit déjà. Parce que si vous là, avec Dieu physiquement, vous êtes capable de dire, eh bien, vous faites un bon choix déjà. Mais la Bible dit, et pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, car vous rentrez dans le royaume. Nous avons là, dit Seigneur, Seigneur, mais si vie nous ne correspond pas avec la parole, nous ne devons pas arriver côté bon Dieu à préparer pour nous. Parce qu'il dit nous dans Jean 14, et bien il dit nous l'aller, là le préparer les places, et la retourner, venir chercher. Bon Dieu bénit l'église. La retourner et venir chercher l'église. Côté lié, et nous-mêmes, c'est là nous va, nous va et nous. Oui, frère seul, font choix matin. Et choix, nous dit, ou à faire la maison. Qui vient de vivre, vous voulez mener. Et il y a des gens, ils ont la caille, ils ont choisi pour toujours fumer. Ils ont toujours high. Ils ont fumé dehors, ils ont toujours high. Tête, ils ont pas là, ils ont pas sous terre. Ça, madame a fait, vous ne connaissez. Ça ti moun yo a fait ou pas connaître, ça mari a fait ou pas connaître, parce que yo même yo nan propre, yo nan propre place pa yo. Son choix moun nan fait, li choisi pour le fumer, pour le fumer. Et fumer ça, haye tout temps ça, sou tout temps ça, capable cause foyer à là. Mais c'est le choix qui est li. Ou gen ou a fait choix matin pour mettre la paix la caille. Pour parler avec respect avec Mario, pour parler avec respect avec Madame, pour parler avec respect avec Timounio, pour mener une vie de paix dans la caille. Ou bien doit faire choix ça. Mais pour ça, ou bien doit choisir pour toujours boumer. Toujours boumer dans la caille. Toujours bon combat. Toujours bouteille à voler, vin à craser, choix qui est lié. Ça veut dire, sur le plan spirituel, ou bon choix pour faire. Pour servir mon Dieu fidèlement, et si vous faites ça, pour marcher selon la parole, la refléter dans la vie naturelle. Bon Dieu, bénis l'église. La refléter dans la maison, la refléter sur Timounio, la refléter dans le foyer, et bien Timounio, il n'y a pas qu'à lever même à tout Timoun. Parce que, ou même, ou voulez servir mon Dieu, et ou pas un modèle dans le cas là, Timoun en font bagaille, il n'y a pas de passé pour mettre l'autre dans lui. Ou pas n'est plus respect pour lui que mon Dieu. N'importe ça le faire, ou capable de parler avec elle et faire connaître qui ça doit. Qui ça doit faire. Bon Dieu, bénis l'église. Et avec un comportement pareil, avec une fonction, genre rempli fonction avec Marie ou avec Madame, et bien, si vous avez même cap gardé, et bien, non seulement nous prenons notre, mais foyer par demain, et bien, il y a un modèle pour lui. Bon Dieu, bénis l'église. Et puisqu'on te parle la parole depuis dans bas âge li, puisqu'on te parle la parole depuis dans enfance li, et non seulement te parle li, mais te vive li devant. Li ouel nan kaye la. La présence de Dieu nan kaye la. Et mi en entre, li ouel avec la puissance de Dieu. Comment? Ou mettez-le au nom de Jésus. Et lui-même la prend note.
et réaliser. Des puissances dans mon Dieu. Bon Dieu qui va protection. Bon Dieu qui va sécurité. Bon Dieu ça. Eh bien, forme servir. Bon Dieu mène l'église. Même s'il t'est allé loin, même s'il t'est couru, mais il y a des expériences qui vivent. Il y a des bagailles qui ouais. Que bon Dieu fait. La retourner, vin servir mon Dieu, parce qu'elle connaît. Bon Dieu a l'épuis, il puissant. Frère seul, choix non important, matin. Non seulement, on doit choisir Jésus, mais on doit choisir pour nous marcher selon la parole. On doit choisir pour nous vivre, pour gloire l'homme. On doit choisir vraiment pour nous être un modèle, non seulement dans l'église, là, mais la caille, là. Notre travail, là. N'importe côté, nous passer, et bien, pour nous capables, nous modèle. Nous modèle. Et pour nous clôturer, et la songer, et même j'en ai dit, dans n'importe quelle situation, choix que vous avez fait pour servir mon Dieu, n'importe ça qui vient, il faut qu'on campe sur décision. Oui, vous avez fait choix pour servir mon Dieu, et bien, maladie tombée, problème tombé, difficulté tombé, pas rien pour virer, pour chercher qu'on est. Pas rien pour chercher, ouais. Pas rien pour faire. Comment on dit ça? Zéro tourne neuf. Pas rien pour faire zéro tourne neuf. Mais on a besoin pour camper sous la foi. Parce que où t'es fait choix pour servir mon Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Et la songer, et gagnons, bagaille qui dépassait, qui habité Fontamara, et puis ils ont rapporté, ils ont un servant. Et servant là, très zélé, a servi mon Dieu, très zélé. Dans toute activité spirituelle, là, dans toute sa l'église a organisé, là, et lui-même dans la rue, il a parlé de mon Dieu. Mais bon moment privé, servant n'a pas qu'à manger. Bon moment privé, bagaille dur, bagaille terrible. Bagaille tellement terrible. Servant n'a pas dormi sans manger. L'a levé sans manger. Parce que il y a des positions au grand. Et lui en lui-même, il va regarder. Prenez bien dans l'église. Il y a des gens qui ont campé dans mon Dieu. Eh bien, ennemi en lui-même, il va vous regarder. Et servant là vraiment, il est zélé. Lui, non, bon Dieu, il a servi mon Dieu. Mais, bon proverbe qui dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Et c'est lorsque on va construire un mur, c'est lorsque dans la construction, et tout le monde a dit, nous c'est boss, nous c'est boss, nous c'est boss. Mais lorsque le travail est là pour faire, et puis vous bâtissez où elle est là. Vous prenez un bon matériel, et puis vous connaissez vraiment est-ce que c'est boss. Parce que Jésus-Christ, c'est le premier bagage qu'il fait, depuis nous, il dit non, pour nous suivre. Et si nous voulons suivre, ça va nous faire charger quoi. Mon Dieu, venez, charger quoi. Et servant dans lui-même, il a commencé à suivre mon Dieu, mais lorsque il a commencé à dire, comment c'est terrible, ça c'est quoi qui se donne. Et lorsque quoi a pesé, lorsque quoi vient trop lourd. L'histoire continue pour dire, eh bien, bon grand est, bon gros zouzoun, qui va habiter dans la terre en haut, car il est malheureux là, qui va pas manger. Mais pour vous broter, pour vous passer, c'est avec gros camion, il y a broter, passer, monter, maintenant, passer vos cailles malheureuses là, pour la cailler en haut. Mais on connaît Haïti, pour Dieu tout, il pas bon, pas vrai. Camion, c'est bloco. La montée, pas camper, non, la montée, mais c'est balance à droite, balance à gauche. Et puis dans toute balance, ça y est, bon valise qui saute sur le camion. Hein. Et qui tombait, qu'elle roulait. Bon, quand elle est dame lui-même, l'a regardé, lui ouvre le camion à braler, et puis sortant de la cour, il va dire merci Jésus. Merci Seigneur.
Remercier mon Dieu pour la valise, pour rentrer la caille sous point de pied. Abaye mon Dieu gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et pendant que ça l'a dit, nous, ça l'a dit, nous ne pouvons pas prendre ça quoi pour nous. Où est son erreur, camion, on a balancé, bon bagaille qui tombe, qui tombait. On va comprendre, on va aller prendre le courrier derrière, pour bailler. Mettez la boule parce qu'il a passé des sons encore. Oui. Mais il prend lui rentrer. Demain en l'air. Après merci bon Dieu. Mais comme on connaît, bon Dieu tout nous regarder. Hein? C'est ça fait moi-même avant. Nous pas qu'à le faire tout bas à n'importe côté, non? Bon Dieu toujours regarder. Bon l'autre voisin qui était ouais. Lui, il va le courir rentrer, il va dans rien. Mais lorsque mon Dieu arrive, débarquer camion et réaliser, valise à gagner les valises importantes. Bozozoun, tout ça, la maison là-dedans, l'argent là-dedans, papier là-dedans, sortant de là, il va faire retourner, il va garder sur route là, s'il ne va pas tomber. Et bien, il demande à tout le monde, est-ce que nous ne pouvons pas une valise qui tombe? Et sortant de là, jeté ouya pour y aller oui mais pour t'aider ouya à travers et puis sortant de là on a lui même lui rentré l'a demandé avec un peu de gentillesse est-ce qu'on va prendre une valise qui tombe s'il vous plaît c'est pour moi lié bon moi c'est votre campagne qui dit non bah ouais pas les autres parce que c'est le Seigneur Bali ni quoi quand c'est le Seigneur Bali ça c'est pas l'espace. C'est ça qui fait, où est la parole? Si au monde, vous ne pas comprendre la parole, vous ne pas apprendre la parole, ou vous avez droit chrétien pour 2-3 jours, pour 2-3 mois, pour 2-3 années, mais bon moment qui a privé, manque de connaissances à fort tomber dans son pas pour tomber. Amen. Puisque vous avez une chance, vous demandez paisiblement, il dit non. Et met pied dans la fourmi chrétien, il a met pied dans la fourmi, il dit non, il va prendre des bagages comme ça. Et puis, ils sont venus à virer, ils ont retourné encore, lorsque ils ont retourné, ils ont retourné avec la police. La police a dit, madame, je te demande où est-ce qu'on va aller, ils ont dit non, on a fouillé le cahier. Et on fouille le cahier là, ça revient. Valise là. Il y a une valise là. Et puis, il a arrêté. Il dit, oh Seigneur, regardez la pisson là. Est-ce que c'est Seigneur qui est là? Non. Il fait choix, il choisit. Non seulement il y a une possibilité, il y a une possibilité pour le remettre. Mais esprit volaire, esprit de relation dit dans lui, eh bien, il prend, il convertit par la parole. Il dit c'est bon Dieu. Il prend la parole là, il tordé. Il vire la façon par yo pour intérêt par yo. Mais il dit bon Dieu, non. La Bible dit non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et maintenant, nous encourageons. You have a choice to make. And this morning, I don't know how long you've been accept Jesus as your Lord and Savior. But this morning, you are to make a choice how to live for God, how to serve God. Because sometimes we can think we're good enough. We go to church every day or every Sunday and we do everything good. But according to the word of God, God is not satisfied. You're not on His way. You're not on the way to heaven. Your way of life not gonna lead you to heaven. We need to change. We need to take a new decision to follow Christ. And every situation we're going through, we have to stay firm on the way. On the word of God,
because Jesus calls us and tells us to carry the cross. Bon Dieu relève nous, demande nous pour nous porter quoi. Bagaille au bon, merci bon Dieu. Bagaille au pas bon, merci Jésus. Et puis n'a pas avancé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse vous tous. Amen. Amen. Qu'il soit fait selon ta parole.
Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Saint-Père. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous en du point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous dirige, que l'Éternel nous protège. Sois fidèle jusqu'à la mort, et vous gagnerez la couronne de vie. Que la paix et la grâce du Dieu Tout-Puissant restent et demeurent en nous, dès à présent et éternellement. Amen. Maranatha. Maranatha.